Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour qu'on fasse les sorties livresques du mois de novembre. Et franchement, il y en a un paquet. Par le 1er décembre avec La magie d'une rencontre de Suzanne Wiggs, publiée chez Harlequin. Donc c'est une autrice dont j'aime bien les parutions pour Noël et c'est une romance hein, tout simplement, si vous voulez en savoir plus. Résumé. Le 2 du mois de novembre. J'ai pas dit décembre tout à l'heure. C'est novembre, mais mois de novembre. Le 2 donc du mois de novembre, le deuxième tome de La boîte à musique, donc c'est une BD de JG et Carbone, publiée chez Dupuis. J'ai le premier tome, alors j'ai beaucoup de BD en ce moment, mais j'ai pas encore eu le temps de m'attaquer à celle-ci. Mais franchement, j'ai vu l'avis de Manon de Vibration Littéraire et il a l'air trop bien. Donc voilà, j'ai noté le 2 parce que je pense que ça va. Et on passe directement au 7. Et on parlait de Manon. Et voilà, je pense que c'est une sortie qui... Stealing Snow, le tome 1 de Daniel Page, publié chez Milan. Alors, contrairement à ce que la couverture pourrait faire croire, non, c'est pas un problème de neige ou quoi que ce soit. Enfin, pas tout à fait. C'est en fait une... Enfin, ça se passe dans un asile psychiatrique. Et je pense à Manon parce que elle est interne en psychiatrie. Et voilà, et je suis très très tentée par ce roman. Vient ensuite, toujours le 7, le deuxième tome de La légende de D4, Le clan des tigres de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse. Où là, on va suivre les aventures de Maya, de Brennan, de Nell et de... je cherche le nom du serpent con, là. Pardon. Bref, du l'héritier du clan des serpents. Toujours le 7. Là, le château des brumes, le tome 1 de Kerstin Gier, publié également chez Milan. Alors, je suis pas une grosse fanatique de Kerstin Gier. Moi, la trilogie des j'aime, je n'ai pas... j'ai pas aimé, j'aime pas. Mais je sais pas, la couverture me fait super envie. Du coup, why not, quoi. Pourquoi pas tenter autre chose de Kerstin Gier. Je n'ai pas lu Silver non plus, bref. Et ensuite, le 7, pour finir, Marabelle et le livre du destin de Tracy Barrett, publié chez Bayard. Là, on est sur un livre jeunesse, où il va y avoir une inversion de... pas des pouvoirs, mais en fait, où la sœur va devoir prendre un petit peu l'ascendant parce que son frère, je crois, va disparaître. Et voilà, il a l'air super bien. Donc ensuite, le 13... Le silence des sept nuits, le tome 1, les derniers jours de Dominique Bellavance. Alors, je vous regarde pas parce que je regarde mes notes. Je suis désolée. Et c'est chez Ada Édition, donc vous savez, ces fameuses éditions canadiennes que je trouve génialissime pour avoir quelques-uns de leurs ouvrages. Et maintenant, on passe au 14. Et vous allez voir que sur le thème que je vais aborder maintenant, il y a pas mal de sorties en novembre. Le 14 sort Les animaux fantastiques, le making of chez Gallimard. Donc là, ça va être un beau livre, je ne connais pas le coup par contre. Et on aura aussi Les animaux fantastiques, l'artbook. Et je pense que là, ça va faire mal au porte-monnaie. Toujours chez Gallimard. Après sort Blackbird de Michael Figel chez Pygmalion. Et je... Alors, ouais, bien sûr, forcément, je pense à Josh Malerman quelque part quand je lis ce titre. Mais on n'est pas tout à fait sur le même type de roman, mais voilà. Et ensuite, un tome 3
qui va peut-être me faire sortir le premier de la pile, Illuminae, de Amy Kaufman et Jake Christophe. Et c'est chez Casterman, qui est une maison d'édition que j'adore. Et voilà, hein, ce serait franchement bien que je m'y mette. Peut-être que ça va me... En voyant le 3 de partout, je vais peut-être me dire « Ouh, oui, allez !» Ensuite, 13 minutes de Sarah Pinborough chez Castelmore. Sarah Pinborough qui a écrit Charme, Poison, Beauté, etc. Et là, en fait, ça me tentait pas mal parce que c'est l'histoire d'une fille qui va perdre la vie pendant 13 minutes. C'est quelqu'un de très populaire et voilà, ça va changer pas mal de choses. Alors, le titre juste imprononçable, donc fiez-vous surtout à la couverture. Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire, de Joanne Bafoun chez Milady. C'est une romance pour Noël qui sort le 14 novembre, mais comme ça on est prêt. Et c'est en fait l'histoire d'une jeune femme qui ne veut pas trop voir sa famille. Elle habite à 661 km de chez eux. Et finalement, elle décide cette année qu'elle va faire Noël avec sa famille. Et elle demande à son petit ami de l'accompagner. Et il lui dit oui. Sauf que, en fait, au moment d'y aller, il va rompre. Donc elle va demander à quelqu'un d'autre, son voisin, je sais plus qui, de l'accompagner. J'adore ce type de romance. Allez, on passe au 15 du mois de novembre avec... Sortie de chez Lumen, qui m'intéresse fortement, Gardien des Cités Perdues, le tome 7 de Shannon Messenger. Oui, j'en suis au 3, oui, j'ai du retard, mais j'adore cette saga, donc je le signale. Ensuite, on a le tome 3 de Julia Chapman, donc avec le mystère, qui paraîtra chez La Bête Noire, toujours le 15. Le 2 est dans ma palle, j'avais adoré le 1 et peut-être pareil que ça me fera faire sortir le... Ouais. Alors, vous voyez, c'est là où je me dis c'est que j'hésite pour décembre et janvier à faire un je dézingue ou je flingue ma palle saga ou ma palle bricasse, je sais pas. Ou alors je fais un mélange des deux, à voir. Ensuite, le 15, on a Les Animaux Fantastiques, le screenplay par J.K. Rowling, toujours chez Gallimard, donc l'équivalent de celui qu'on a eu pour le premier volet des Animaux Fantastiques. Et là, ce sera sur Grindelwald. Les crimes de Grindelwald, je ne sais plus. J'ai rien dit, regardez la couverture. Et le livre qui, pareil, fait mal à la carte bancaire, le grand livre des pop-up, Poudlard. Chez Gallimard, je vous avais dit qu'il y en avait un paquet. Et je crois que j'ai pas tout noté. Je crois qu'il est à 70€ celui-ci. Ça va aller directo sur ma wishlist de Noël. Allez, on saute au 21 décembre. Où là, une jolie petite parution. BD également. Les carnets de Cerise et Valentin. De Joris Chamblin et Aurélie Néret. Et c'est chez Soleil. Alors c'est, je suppose, un spin-off des carnets de cerises. Le 21 sort également l'intégrale du Paris des Merveilles de Pierre Pével chez Bragelonne. Alors moi c'est concon parce que j'ai déjà les 3 dédicacés, donc je n'achèterai pas l'intégrale. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, elle est belle. Le 22, nous avons le tome 2 d'Animas de C.R. Gray. Chez PKJ, le 1 est dans ma palle, je ne l'ai pas encore sorti. Pareil qu'il y a quand même des ressemblances avec Harry Potter, mais que ça peut être intéressant. Donc j'ai quand même noté le tome 2. Alors là, un livre qui me fait super envie, c'est toujours le 22 Dry de Jarod et Neil Schusterman dans la collection R. Et on est sur plutôt de la dystopie avec un assèchement, d'où le titre. Au niveau de la planète. Alors, le nouveau Stéphane Michaka sort le 22 également, La mémoire des couleurs, et c'est chez PKJ. J'avais bien aimé, moi, Cité 19, donc ça peut être un des craquages de Montreuil. Ça peut. Et nous avons également le tome 2
de Les âmes rouges de Sarah et Alicia Krause, publié chez PKJ. Alors, je pense pas me ruer dessus, mais peut-être plus tard, je le dirai. Et enfin, une sortie à ne pas rater le 26 novembre, Au bout des doigts de Gabrielle Katz, oui, chez Fayard. Alors, tout ce que j'ai réussi à savoir sur ce livre, qui, mon Dieu, me fait trop envie, c'est que, en fait, Gabrielle a écrit sur un film. Donc, ça fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on part pas du scénar et on arrive au film. Enfin, je pense, j'en sais rien, puisqu'en même temps, elle est scénariste. Et voilà. Et en fait, avant de faire cette vidéo, j'ai oublié de lui envoyer un petit message pour savoir s'il pouvait me donner le résumé de son bouquin, que je trouve pas. Si entre-temps, j'y pense, de toute façon, je vais vous mettre le lien. Donc, il y aura plus d'infos, à mon avis. Ouais, voilà. Dans la barre d'infos, vous aurez plus d'infos, c'est le principe. Regardez-la, cette barre d'infos. Voilà, on en a fini avec ces 24 sorties. C'est encore un mois catastrophique, mais c'est comme ça depuis septembre. Et je vais vous dire tout simplement que c'est ce que moi j'ai noté, mais vous avez peut-être noté d'autres choses. Vous avez peut-être noté des choses plus en lien avec Noël ou d'autres Harry Potter ou même des choses complètement différentes. Et ben, venez m'en parler en commentaire, ça me fera bien plaisir. Et puis je pourrai voir s'ils peuvent m'intéresser également. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bisous.